Salut, bienvenue pour la partie 2 de l'établi après presque un an. Donc au programme, rabotage pour avoir une surface plane, des rangements un peu partout, peut-être des tiroirs, je verrai bien. Au moins une presse, mais il faut que je retrouve par rétro-ingénierie comment ça marche parce que ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai démonté. Puis peut-être bien d'autres choses. Allez, c'est parti. Actuellement, comment c'est organisé? Là, on a la poche d'outils indispensables. Pied à coulisse, meilleur outil du monde. Petite boîte, embout, vissage. Petit équerre. Ici, nous avons un pisse-mémé. Visseuse perceuse, boulonnette. Et enfin, petite perceuse sur colonne. Avec la perceuse à papa. Bon, j'ai fait une petite banane par ici, mais bon, ça passera. Ça sera mieux sur un prochain établi. C'est très instructeur en tout cas. Faut pas oublier de mettre le guide pour le premier secteur. Faire très attention quand on sort et quand on rentre. Tout lisse et tout doux. Super agréable. J'en profite aussi pour faire un peu le ménage. Ça a balancé pas mal de copeaux qui ira dans le potager. Bon, c'est qu'une partie là, il y en avait encore plus. On va voir comment ça marche ça. Ouais, bon, super, pas d'indication. Il est écrit 11, 12, 23, 25. Je vais devoir faire des tests. J'imagine que c'est la phase à droite, la terre au milieu, une autre à gauche. Prise d'un côté, qui arrive ici, et qui repart là. Bon, la terre, il n'y en a pas besoin. Attention. Et voilà, first try. Pour la presse contre l'établi, malheureusement, ça fait 2 ans que j'ai démonté ça de mon ancienne maison. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai 2. Il me semble pas qu'il faut les mettre les 2 à l'affilée. Il me semble plutôt que celui-là, c'était un très vieux qui traînait. Et que ça, c'était celui qui était accroché. Malheureusement, la tige est très très longue. Alors, je vais devoir mettre une cale derrière pour pouvoir tirer la tige. Là-dessus, et finalement, il me semble que c'est ce vieux tire-fond qui correspond à un diamètre de 13. Ah, ça marche bien. Thank you.
voilà, je l'ai sali. J'avais pas le droit de me salir. J'ai aussi ce gros étau très très lourd. Au début, je voulais le mettre sur mon établi de menuiserie, mais après, je me suis dit que ça allait me gêner. Donc, pour l'instant, je vais le mettre ailleurs. Et ensuite, un jour, je me ferai un établi pour la mécanique Toto et pour la ferraille. Le métal. Bon pour une vis de guerrier. Alors ce qui serait bien, c'est qu'ils tiennent déjà tout seul. Ensuite, faudra juste caissonner ses appuis. Et voilà, on est bon. Petit support de pied pour que ce soit bien stable et éviter que ça rouille. Ah bah tiens, une chance, une presse. Ah, c'est ça qui est très agaçant avec la récup. Hop. Et hop. Pas mal du tout, par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est ces tire-fonds gigantesques. Ouais, bah finalement, ça va très bien comme ça pour du provisoire. En installant ce bout de ferraille derrière, ça le tient beaucoup mieux. Alors il y a un autre petit bout derrière qui a dû être cassé dans le passé. Les tire-fonds sont pas complètement enfoncés, mais ils tiennent du feu de Dieu. Et ce petit bout de ferraille, ça sert quand ton lourd, il s'ouvre assez facilement, parce que sinon il faudrait le tirer comme ça pour l'ouvrir. Donc je rappelle que c'est provisoire, hein, et ça servira notamment à affûter les tronçonneuses, ce sera pratique comme ça. Et un jour, je ferai un établi de mécanique Toto et de métal. Pas de très bonne facture, mais ça peut dépanner des fois. L'étape d'après, c'est de poser cette énorme perceuse de forgeron qui pèse au moins 50 kg sur ce bilot là-bas. Je sais pas si ça va se réaliser correctement. De base, c'était sur une structure avec des énormes boulons comme ça de diamètre 18. Mais ce serait toujours mieux que j'essaye de le mettre là-bas plutôt que ça traîne dans la poussière par terre en étable. Bon, il y a déjà un problème. Ces mèches plates, ça marche vraiment pas pour percer des trous. Donc j'ai diamètre 16 en maximum en mèche de charpente. Ouais, diamètre 18 ça. Alors boulon de 16. Ouais. En fait, faudrait mieux me mettre de la tige filetée encore une fois, mais j'ai plus assez de longueur. Thank you.
Bon. En tout cas, ça tient. Suffirait de mettre la tige filetée de 16 avec un principe de double boulon. Pardon, double écrou. Que ça puisse le serrer. Voilà, c'est très bien, faudra juste penser à acheter un peu de tige filetée. Parce que ça, c'est pas vraiment esthétique. De toute façon, si c'est pas pour l'utiliser en version professionnelle, il n'y a pas de souci, c'est juste pour le sauver de l'humidité. Ici, il y a un emplacement pour mettre un petit taquet qui se retrouve ici. Alors évidemment, c'est manquant. Ça se trouve, c'est essentiel à l'utilisation de cette machine. J'ai un problème, j'arrive pas à rentrer le morceau de ferraille, ça coince. Il est possible que ce soit pas celui d'origine. Là où je l'ai démonté, c'était sur un genre de support du type tréteau. La perceuse était au-dessus. Et si ça se trouve, ça, c'était accroché en dessous. Alors, un petit récapitulatif des outils autour de l'établi. Le tour à meule électrique, mais qui n'est pas très efficace, il est vraiment très faible son moteur. La presse d'établi qui est vraiment très bien. Bon, faudrait encore l'améliorer et en mettre une de l'autre côté. La perceuse de forgeron, faudra faire plein d'entretiens et lui faire un support adapté. L'étau de mécanique, faudra le mettre sur un établi de mécanique, avec le tour à meule et puis les autres trucs. De l'autre côté de la grange, on a l'étable avec la petite perceuse manuelle. Bon, ça m'a l'air d'être pas très bien, ça. Le mandrin est pas très bon. Et ce petit système pour remonter, il redescend tout seul. Et là, on a une pièce de musée, encore une fois, pour affûter comme le tourret. Il y a une espèce de guide derrière, ça a l'air bien. Bon, le souci, c'est qu'il faut voir que quelqu'un tourne la manivelle pendant que l'autre affûte le couteau. Ou alors, faudra le modifier pour en faire un vélo. Ah, j'ai oublié cette belle grosse enclume. J'ai dû la soulever à l'aide d'un outil de manutention qui s'appelle une chèvre. En gros, c'est une grue. Parce qu'il y a des mecs, dès la naissance, ils arrivent à soulever des enclumes de 120 kg, comme celle-ci. Sauf que moi, je suis pas né à la ferme, alors je pouvais pas faire ça. Du coup, petit tiroir de ce type-là, qui était mon premier essai. À l'aide d'un gabarit pour scie circulaire, qui n'est pas très droit d'ailleurs. Donc je me suis coupé des petits bouts dans un litho de charpente. C'est de l'épicéa. Il est où? Donc j'ai trouvé mon pied à coulisse. À calisse. Donc ça va bouffer les 8 premiers millimètres, ça va laisser les suivants, rebouffer les 8 suivants, laisser et enfin... rebouffer les suivants.
Généralement, il vaut mieux avoir un multiple de 8 pour que ce soit bien égal du début à la fin, mais c'est pas grave, ça ira très bien. C'est la réutilisation de chute. Un chat qui s'est amusé à enlever une cale. Petite erreur, pour que ça fonctionne correctement, faut que la cale ici soit de la bonne hauteur ou de la bonne épaisseur, ça dépend comment on va voir. Sinon, ça fait un machin de différentes hauteurs. Cette fois c'est bon, j'ai mon Lego. Thank you.
Finalement, c'était facile. Voici l'état actuel avec quelques rabots par ici, des outils manuels, quelques trucs de mesure, des pinces, des outils moins importants, des limes, beaucoup de forêt. De l'autre côté, nous avons la vissette qui ne fonctionne pas, les embouts, les forêts encore, marteau, clé. Niveau des poignées, je suis pas totalement satisfait, ça finira par changer. Encore des embouts, des mèches, un maillet, très important le maillet. L'autre côté, embout, bordel. Toujours charpente. Une scie très amusante. Dans les outils de jardinage aussi, la machette offerte par ma chérie. Puis bien sûr la base. Creuser ce trou, ça a été une expérience assez rock'n'roll. Donc pour la prochaine fois, dans un an, il y aura encore tout un mur à faire pour exposer les clés, outils de mesure, les scies manuelles, les outils très aléatoires manuels, les marteaux, rabots, ciseaux à bois, etc. Par contre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que cet outil. Si on peut appeler ça un outil. Rendez-vous à l'année prochaine. Non. Et maintenant.